Bonjour, je me présente, je m'appelle Kader Chemlel, je suis coach athlée santé issu de la Fédération française d'athlétisme et du ministère de la Santé. Durant ce confinement et durant une heure, nous allons faire aujourd'hui une petite séance avec une thématique un peu différente, c'est du stretching. Toute la semaine, nous avons fait une séance cardio. Le stretching va être d'étirer les muscles, de leur apporter un maximum d'oxygène pour pouvoir leur donner toute leur élasticité. Voilà, c'était un petit peu dur à dire, mais voilà. On commence les enfants, c'est parti. Tout le monde debout, et on va relâcher les épaules, et on va relâcher les mains. Simplement. Ici, une fois en avant, on va faire ça tranquillement, doucement. Alors je tiens aussi à m'excuser pour hier, la séance, elle s'est faite, pas hier, avant-hier, pardon, puisque hier je me suis reposé et je vous en remercie. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Avant-hier, la séance de Nordic Fit, apparemment, mon micro n'a pas vraiment marché. Alors, vous voyez la différence entre le micro qui fonctionne, c'est-à-dire celui-ci, d'accord, où je ne parle pas tellement fort. Ici, on balance les bras et les épaules et le bassin. Et donc, le micro là fonctionne parfaitement. Donc, j'aimerais que la prochaine fois, si vous n'entendez le brouhaha de ma pièce, c'est que mon micro ne fonctionne pas, mon micro cravate. Sinon, c'est le micro de l'iPhone qu'on entend. Allez, ici, on se détend et on laisse aller droite-gauche. Laissez aller. Bassin placé à gauche, à droite. Vous êtes dans l'expire. Allez, prenez votre temps. Relâchez vos épaules avant-arrière. Allez, à droite, à gauche pour l'instant. On fera avant-arrière après. Allez. Alors, on balance avant, arrière, avant, arrière. Encore. Allez, tranquillement, prenez votre temps. Là, ça va être une séance stretching vraiment douce, vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Que l'on soit confirmé ou que l'on soit débutant, ça n'a strictement rien à voir. Tout le monde doit s'étirer. Tout le monde doit emmener ses muscles au maximum de leur performance. Ok. Ici, gentiment, tranquillement. Ici, doucement, vous allez emmener votre talon dans votre fesse. Et relâchez vos épaules. Et ici, vous êtes à l'expire. Vous relâchez, vous vous détendez. Allez. Allez. On emmène. Alors. Merci Stéphane, le son est nickel. Ouais, vous relâchez les épaules. Si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas trop de stabilité, tenez-vous au niveau d'un mur, d'une canne, le rebord d'une chaise. Ça n'a pas d'importance. Hein. Mettez-vous tranquillement. Allez. Salut Nat. Nat G, regarde où elle participe, je ne sais pas. Allez. Relâchez bien. On prend vraiment son temps. Hein? Changez de côté. Allez, à l'inspire. Change de jambe. Relâchez-vous, détendez-vous. Merci Stéphane. J'ai fait des essais tout à l'heure et vraiment c'est du bonheur. Vous relâchez. Très bien. Regardez bien, ici mon pied droit est remonté. Je pose simplement ma paume de main sur mon genou. Simplement. Ici, je suis en train d'étirer gentiment mon psoas iliaque et mon fessier. Si vous ne pouvez pas, si c'est trop dur, vous arrêtez. Regardez bien. Ici, j'ai soit un dossier de chaise, soit un petit muret. Et je me mets là. On est tranquille. On est bien installé. Faites-le. Osez. Osez. Je vais vous donner à chaque fois un tempo d'une dizaine de secondes pour tous les exercices. Comme ça, dès que vous êtes bien positionné, vous pouvez compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, attention avant de poser. Avant de poser, j'inspire, je verrouille et je relâche. Vous changez de côté? Allez. Pied gauche levé. Le calé. Vous vous tenez bien à droite. Et bien droit, puisqu'on a des messieurs qui sont là aussi avec nous. Allez, le stretching, c'est vraiment pour tout le monde, hein, c'est pour tous les athlètes. Et vous êtes toutes et tous des athlètes depuis le début de ce confinement. Allez. Aurélie, tu es là? Alors, viens vite faire des exercices avec nous. Je remercie aussi Kat qui est là. Je remercie tous les gens de la cascade, celle du coach Atlet Santé. Je remercie tous les amis que je connais, même ceux que je ne connais pas. Je remercie les entreprises qui sont là. Je remercie également et à nouveau mon partenaire privilégié cette semaine, durant ce mois de confinement, qui est Vincent Jeannereau, pour ce micro qu'il a réussi à me prêter. Merci beaucoup. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Je vous montre les exercices et après vous les faites, d'accord? Je ne vais pas les faire trop longtemps. Ici, on va se mettre en fente avant. Et regardez bien, vous allez mettre vos deux mains de part et d'autre de votre pied. Très bien. Et puis là, vous allez simplement, regardez bien, vous allez seulement monter les fesses en dégageant votre jambe en arrière. Votre dos est toujours bien droit. Attention, ce qu'il ne faut pas faire, s'arrondir. Non. Je pose mon pied devant, mes deux mains de part et d'autre. Et ici, à l'inspire, vous désolidarisez simplement votre pied, votre jambe arrière. Ok, c'est parti pour vous. Allez, on y va pour 10 secondes. Positionnez, inspirez, levez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Changez de jambe. Inspire, lève la jambe. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dépose, souffle. Salut Francis, j'espère que tu vas bien mon poteau. Très bien. Alors, on se rappelle que la correction, quelle est-elle? Quand je suis dans cette position, et pour tous les exercices de la suite, puisqu'on va le faire ensemble, ici, je rappelle que mon pubis doit être remonté. Je ramène mon périnée, je verrouille mes transverses et surtout mes obliques. Donc, dans cette position-là, je ne lève pas uniquement mon pied. Je ravale mon nombril pour me lever. On est bien d'accord. Alors, j'aimerais que maintenant vous mettiez face à moi et qu'on comprenne bien un exercice. L'inspire, l'expire. Regardez bien. Vous allez déposer vos mains. Vous vous mettez dans la même position que moi. D'accord? Ici, vous allez poser vos mains de part et d'autre de vos côtes, sous les côtes, qu'on sente bien. Vous posez simplement vos mains. À l'inspire, je vais ravaler mon nombril pour qu'il soit complètement collé à ma colonne vertébrale. Quand j'inspire, ici, je veux verrouiller. Donc forcément, mon périnée remonte. Regardez bien cette intention de ramener les hanches vers l'intérieur. Inspirez, vous sentez que les deux mains vont vers le centre, on est d'accord. Inspirez, creusez, relâchez, respiration abdominale, on recommence. Inspirez, vous creusez forcément le ventre, vous ravalez le nombril, restez comme ça pendant que je vous parle, vous ravalez le nombril, vous sentez que le périnée est remonté, relâchez. Attention, maintenant on va remonter. La fermeture éclair, à l'inspiration, en même temps qu'on va creuser le ventre, à l'inspiration, mettez vos deux mains, tranquillement, tranquillement, inspirez, creusez, bassin rétroversé, relâchez le bassin, expirez. Vous sentez la différence? Très bien. On va ajouter un troisième muscle qui est fondamental. En plus du transverse, qui est le muscle profond, qui retient vraiment toute ma sangle abdominale. Quand je veux perdre du poids et m'affiner la silhouette, je dois travailler sur ces deux grands droits. D'accord?
Le deuxième travail, ça va être de remonter ici un muscle qui s'appelle, comment vous pensez? Le diaphragme, je l'ai entendu. Vous relâchez. Les deux mains posées. Rétroversez le bassin. Inspirez. Fausse inspiration. Remontez le diaphragme le plus haut possible. Comme si vous voulez ravaler tous vos organes. Relâchez le tout. Fausse inspiration, c'est quand ma respiration, elle est ici. Mon diaphragme, c'est un muscle qui monte et qui travaille comme ça. D'accord? D'avant en arrière. C'est comme un volet. Donc, je le ravale, je le monte jusqu'au-dessus de la gorge. Ok? On y retourne. Deux mains posées. On n'appuie pas dessus, hein, ça ne sert à pas grand-chose. Tirette pour les Belges. Ding. Pour nous, on ramène le périnée. Inspire. Ravale ton nombril. Donc les côtes s'écartent. Fausse inspiration. Monter le plus haut possible. Bon, pardon, c'est difficile. Relâchez le tout. Relâchez. Vous avez compris, et ça c'est super important. Vous avez vu que à l'inspiration, quand je ravale, je peux mettre quasiment mes mains sous mes côtes, qui s'appellent d'ailleurs des côtes flottantes, juste en dessous. On leur fait une fois rien que pour le plaisir. Inspire. Mets tes mains sous tes côtes. Ravale ton nombril. Périnée montée. Ravale maintenant. Diaphragme plus haut. Oh! Relâchez le tout. Très bien. On relâche. Allez, on souffle. Allez, vous soufflez. Là, c'est vraiment un travail qu'on fait de grand droit. Je vous ai raconté déjà depuis le début du confinement, ces deux grands droits sont importants. C'est ceux qui sont juste devant. Ils vous permettent, quand on prend du poids, de s'écarter et quand on perd du poids, de refermer. Quand on est enceinte, on s'ouvre. Quand l'enfant est né, ça se referme. Quand les hommes prennent du ventre, eh bien, ça s'ouvre. Quand ils perdent du ventre, ça se referme. Donc, si je veux affiner ma silhouette, écoutez bien ça, si je veux affiner ma silhouette, je dois travailler sur ces grands droits et ces muscles profonds. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va travailler sur le dos. Alors, on va se mettre sur le dos et on va faire travailler les grands droits. Moi, je ne suis pas un adepte des crunchs et des exercices de torsionnaires, je dirais. D'accord? Bien que je n'ai rien à envier aux autres, ce n'est pas ça le problème. C'est que, voilà, je travaille avec de la gymnastique hypopressive et douce. Alors, regardez bien. Ici, vous allez vous mettre assise et assis, bien droit. Ici, mes bras vont être tendus et je vais ici descendre en arrière. Simplement. Ici, je suis à l'inspire. Mon bassin, donc quand je vous dis à l'inspire, vous savez que vous devez creuser, ravaler le nombril, le périnée est remonté. Et je reviens devant. Simplement. À l'inspire, je descends. Bras tendus. Je ne descends pas trop loin hein, parce que je n'ai pas besoin de travailler sur mes ischio-jambiers. Ce n'est pas ce que je veux faire travailler. D'accord? Je veux faire travailler simplement mes grands droits. Vous allez le comprendre. Je reviens devant. On y va pour 10 fois. Inspire. Expire. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire. Inspire, descend gentiment. Expire vers l'avant. Inspire, ça va faire 6. Ça fait 7. Je remonte. Ça fait 8. On sent que ça commence à chauffer. On relâche. Ça fait 9. Je relâche. On reste 10 secondes en isométrie ici. Descendez. Pas trop loin. Corrigez. Placez-vous bien droit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, vous soufflez. Le dos un peu rond. Ici maintenant, les épaules sont derrière et les bras aussi derrière. Tranquillement. Je vous ai préparé une belle petite séance, vous allez voir. Ça va être juste un plaisir. Alors, on relâche. Voilà.
pour travailler les grands droits, au lieu de faire des crunchs, hein, qui sont en antinomique pour faire des abdominaux, car, que je vous explique la chose, quand je vais travailler, c'est sans aucune critique, hein, chacun fait comme il veut, hein. Si je fais des crunchs, dans ce sens-là, pour, je pense, muscler ma sangle abdominale, c'est une erreur dans le sens où je vais pousser mes organes vers le bas. D'accord ? Nous, ce qu'il nous faut faire avec de la gymnastique hypopressive, c'est travailler sur ces grands droits. Si je suis dans ce sens-là, Bernadette de Gasquier, qui avait écrit un magnifique livre, qui est aussi une Bible. Alors, Bernadette de Gasquier, elle a écrit un livre qui s'appelle « Abdominaux alto massacre ». Vous pouvez vous le procurer. Les abdominaux, dans ce sens-là, c'est contracter ma sangle abdominale vers le bas. Donc, on va la réduire. Nous, ce qu'on veut, c'est se grandir. Se grandir, c'est tirer sur les grands droits. Tirer sur sa tête et être en autograndissement. Alors, regardez bien maintenant ce qu'on va faire. Vous allez réellement sentir vos grands droits. La tête est maintenue par les mains. Ici, je vais pencher en arrière et je vais me grandir. Je vais relâcher et revenir vers l'avant. Je mets mes mains derrière la tête, je me grandis, je ramène vers l'avant. Encore. Je mets mes mains, je me dépose en arrière et je me grandis. Je relâche, je vais vers l'avant. Allez encore, c'est parti pour 10 fois. On y va ensemble? Allez. Je descends, je me grandis. Relâchez, soufflez, venez vers l'avant. Je me positionne, je descends, je me grandis et je relâche. Alors, si il y a des personnes un peu fragiles du dos, dans fragile, j'entends pas assez musclé du dos. D'accord ? La fragilité au niveau de la base de la colonne vertébrale, c'est un non-renforcement des deux muscles qui se trouvent en arrière, qui s'appellent les lombaires. On ne va pas chercher à se faire mal. On va simplement poser les mains derrière. La volonté de l'exercice, pour vous, ça sera d'emmener votre bassin vers l'arrière et d'être ici en autograndissement. Vous allez simplement sentir que déjà votre fessier, vos lombaires, vos abdominaux, travaillent pour revenir devant. Ok ? Pour les autres, on va en arrière. Là, la deuxième variante, c'est vraiment celle-ci. On ne s'avachit pas sur ses mains. Non, hein. Je les mets ici, je me positionne, et ici, je veux être en autograndissement. Je veux tirer sur mes grands droits. Je tire, je tire, je tire, toute la colonne vertébrale pour pouvoir donner de l'espace, et c'est le but de l'exercice, de donner de l'espace au niveau des vertèbres, les unes derrière les autres. Vous relâchez, vous venez devant. Ok, donc pour ceux qui peuvent, les mains derrière la tête, on se grandit. Je suis en autograndissement, je lève la tête au plafond. Relâchez, revenez devant. Mains derrière la tête, je me grandis. À l'inspire, je relâche. Vers l'avant. Je me positionne. Je me grandis. Je relâche. Je vais vers l'avant. Encore. Inspire. Grandis, 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 grandis. Relâche. Viens vers l'avant. Vous sentez que ça vous étire déjà un petit peu? Ouais, c'est superbe. Allez, allez Elodie, on y va. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On relâche et on revient devant. Allez, encore deux. Inspirez. Grandissez-vous, grandissez, 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 grandissez. Ouf, relâchez. Encore deux les enfants. Grandissez, 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 grandissez. Relâchez, soufflez. Allez, vous relâchez un petit peu. Alors ici, on va simplement relâcher ses jambes. On laisse aller. Allez, on les détend. Est-ce que ça vous a étiré un petit peu? Peut-être que vous ne l'avez pas encore bien senti. Alors, ici, on va se mettre dans ce sens-là. Alors, pied droit, main gauche. Et là, je me mets en autograndissement. Le plus haut possible. À l'inspire, je suis à l'expire. À l'inspire, montez.
j'emmène le genou dans le creux de mon coude et je relâche. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Monter, c'est être en autograndissement. Imaginez que vous avez un crochet au niveau du plafond, au niveau de votre crâne et que vous l'accrochez au plafond et vous montez le plus haut possible. Et vous relâchez. Super. On change de côté. Doucement. Prenez le temps. Prenez le temps. On est réellement là pour se faire du bien. Les étirements sont importants. Le pilate est important. Le stretching est important. Je mets tout ça dans le même petit sac. Stretching, pilate, c'est étirer les muscles. On est prêt? À l'inspire, vous grandissez. Grandissez-vous. Relâchez. Soufflez. Inspirez. Grandissez-vous, tenez-vous bien droite et bien droit. Relâchez. Vous sentez que vous étirez encore sur le moyen et le grand fessier. Inspirez. Regardez bien loin devant vous. Regardez devant vous, la tête est devant vous. Le crâne monte au plafond et vous relâchez. Coucou Elodie. Oui, je vois que vous êtes là. Je vous embrasse, mes amis belges. Et vous relâchez. Encore une fois. Inspirez, montez. On relâche. Le dernier. Montez le plus haut possible. Encore. Encore. Montez sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous soufflez. Vous vous détendez. Laissez aller les jambes. Allez, vous vous détendez. Vous allez toucher juste devant, au niveau de vos genoux, au niveau de vos mollets, tranquillement. Et vous êtes à l'expire. La tête à l'intérieur des épaules. Tranquillement, 10 secondes. La tête à l'intérieur des épaules, pour ceux qui sont très très souples. Touchez les pointes de pied, les chevilles. Ne forcez pas, ne forcez pas, doucement, doucement. 2, 1, vous relâchez. Vous vous mettez debout le plus doucement possible. Prenez votre temps. C'est notre moment. Le samedi, c'est stretching. Samedi, on se détend. On est tranquille. Regardez bien. Je vais avec ma main droite. Regardez avant. Je suis bien placé, bien droit, bien dans mon axe. Ici, je suis bien ancré au sol. Je ne sais pas si je vous avais demandé au début de vous mettre pieds nus si vous êtes chez vous. Bon, je crois qu'il doit pleuvoir à peu près partout, mais mettez-vous pieds nus pour bien être ancré au sol. D'accord? Donc, coucou Martine. Ici, à l'inspire, regardez bien. À l'inspire, alors qui dit inspire, on ramène, hein, on est d'accord là-dessus maintenant. Ça, c'est des choses que j'aurais même plus à vous dire. Inspire, je ravale mon nombril, je me positionne le périnée, mon fessier est bien tendu, ma sangle abdominale également. Je ne peux pas avoir mal au dos, je ne dois pas avoir mal au dos si la partie-là est bien verrouillée. D'accord? On ne fait pas un exercice sans se préparer. On conscientise, alors regardez bien. Je ravale, ici je vais pousser le plafond sans le regarder pour la première fois. Je vais le pousser au plafond. Ma main va pousser le plafond pendant que mon autre main, donc la gauche, va toucher le sol. On essaye, attention, d'être le plus droit possible. Pas comme ceci. Hein? Si vous avez un miroir, si vous avez une vitre, si vous avez quoi que ce soit, ou bien quelqu'un en face de vous en train de rigoler à vous voir faire les exercices, ben vous lui dites, est-ce que je suis droit ou pas droit? D'accord? C'est parti pour 10 secondes pour nous. Vous avez eu le temps de faire pendant que je vous ai expliqué. C'est parti. Inspire. Main au plafond. Déjà la main au plafond. Monte, 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 monte. Reste droite. Reste droite. Pousse l'autre main au sol. C'est parti, je compte. Tendez. 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 Poussez ce plafond, poussez le sol. Une. Deux.
5, 6, 7. Corrigez-vous, mettez-vous bien droite, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Corrigez, le bassin plutôt dans l'autre sens. 6, 7, 8, je vois ce que vous faites, 9, 10, relâchez doucement, doucement. Vous redescendez votre bras. Main gauche va monter au plafond, la main droite au sol, doucement. Je rétroverse, quand je reviens, je viens doucement. Plus les étirements sont faits lentement, plus on va chercher à recruter de fibres, plus c'est efficace. Bras tendu. On monte. Montez, 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 montez votre bras gauche. Montez le bras gauche. Montez, 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 montez. Montez encore. Montez. Montez, tenez-vous droite. Périnée, remontez. Touchez le sol en même temps. C'est parti. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, encore, 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 très haut, très haut, très haut, très bas, très bas, très bas, 9, 10, vous relâchez doucement, le plus doucement possible, vous relâchez, prenez votre temps, prenez votre temps. Relâchez vos épaules, ça fait du bien ça, hein? Ici, on est sur un travail de coiffe rotative et ici, on appelle ce grand muscle qui se trouve derrière le grand dorsal. C'est lui qui doit nous étirer complètement. Ok, on y va. 5 secondes à droite, 5 secondes à gauche. Relâchez bien les épaules. Quand ça fait du bien, il faut vraiment, vraiment, vraiment en profiter. Ça vous fait du bien, faites-le. Ok, on y va. On étire les deux en même temps. Au ciel, au plafond et au sol. Prêt? Montez. Dès que je compte, on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Très bien, doucement. Je devrais compter normalement jusqu'à 5 pour monter et 5 pour relâcher. Et 5 en isométrie. Allez, je monte. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. L'exercice, je ne sais pas s'ils sont bons pour Johan, parce que lui, il est très très grand et son appartement, le plafond, il doit être à 2,20 m ou 2,30 m. Je crois que Johan, il doit toucher le plafond chez lui. Allez, inspirez, ramenez le bassin, poussez le plafond, poussez le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, j'avais dit 5, hein. Mais comme je rigolais pour Johan, voilà. Alors, on va étirer maintenant dans l'autre partie, qui est le psoas iliac. Alors c'est sympa, parce que je pense que, je vais changer de jambe, je pense qu'à la fin de ce confinement, vous aurez au moins pas mal de muscles à votre discours, à votre vocabulaire. Alors, regardez bien. Ici, mes épaules, mon bassin sont dans l'axe. Ok ? Je suis bien droit et je file un petit peu vers l'avant. Mon regard est bien droit devant moi. Mon dos est bien droit. Attention, regardez bien ce qu'il ne faut pas faire. Les épaules vers l'avant, là, ça ne me sert strictement à rien. Je suis, ma sangle abdominale est verrouillée. Je remonte. Ma tirette, puisque nos amis belges sont là. Je remonte ma tirette. Je ravale mon nombril. Je vais vers l'avant. Mon genou ne dépasse pas ma pointe de pied. Et je tiens sur 10, 9. Ça doit vraiment vous étirer au niveau du psoas iliaque. Ça doit vraiment faire du bien. Allez, vous soufflez. Soufflez longtemps. 10, 9, 8, 7, 6. Là, je sens que vous le sentez. 5, 4, 3, 2, attention, pour revenir en arrière, vous êtes un bout de bois, vous êtes une bûche, vous êtes contracté. On revient en arrière, zing, attention, j'emmène pas mes épaules, ni mon bassin, j'emmène le tout, d'accord? C'est mon quadriceps avant qui me pousse en arrière. Allez, on change de jambe. Prenez votre temps, prenez votre temps. Prenez votre temps. Très bien. Allez. Inspire.
Remonte ta fermeture éclair. Verrouille. Va vers l'avant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tu relâches. Tu regardes bien loin devant toi hein, pour cet exercice-là. On change de jambe à nouveau. On le refait une fois pour que vous sentiez bien la qualité de ce travail-là qui est super importante. Ok, on est prêt? On descend. Une. La jambe arrière est tendue, psoas ciliac est étiré. Le genou avant ne dépasse pas la pointe de pied. Je regarde loin devant moi, je suis en autograndissement. J'ai ravalé mon nombril. Je tiens sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la jambe avant qui pousse en arrière. Super! Allez! Commence à bien faire, là, c'est bien ça. D'après, on descend. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et vous remontez. Ouais, super. On y reviendra, là. On reviendra, là, tout à l'heure. Allez, les épaules sont relâchées, le soleil est à nouveau là. On boit un petit coup. On boit un petit coup. Et pendant qu'on boit un petit coup, vous mettez vos commentaires. On va boire un petit coup pendant 15 secondes, les enfants. Et puis, vous mettez un commentaire. Vous me dites comment est le son. Est-ce que ma voix est posée et calme? Et j'aimerais que vous me disiez surtout que vous n'avez pas mal et que vous aimez. Alors, si vous aimez, vous mettez plein de pouces. Sinon, vous m'envoyez que des cœurs. Allez, moi je compte. 15, 14, 13, 12, 11, 10, oui, 9, 8, merci, 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 8, 7, 6. Même moi, Vanessa, quand tu dis tout est parfait, même moi, tu es trop? Merci, merci, faites des cœurs, faites des pouces, on y va. 5, 4, 3, 2, c'est parfait, superbe. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Alors, maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. Une chose extraordinaire. On va libérer les deux psoas ciliaques, ici, de part et d'autre. Donc, regardez bien avant. Ma tête est posée au sol. Je ramène ma tête, donc le menton, proche du plexus solaire. Ici, mes deux pieds, mes deux plantes de pieds se touchent. Je les pose au sol. Mon dos est calé. Au sol, je pose simplement mes deux mains sur mes genoux. Je ne vais rien faire pour l'instant. La volonté, c'est que les genoux s'écartent d'eux-mêmes. Allez, j'attends que vous mettiez au sol. Et je vous donne les indications dans 5 secondes. Vous calez en premier déjà vos têtes. Avec vos deux mains, vous calez votre tête de façon à ce que le menton touche le plexus solaire. Détendez, vous soufflez. Le dos est bien calé. Très bien. Mes deux pieds se touchent. Elles sont collées. Les deux plantes de pieds se touchent. Génial. Relâchez votre dos. Posez les deux mains sur les genoux. Vous sentez les deux psoas ciliaques qui s'étirent. Inspirez, ramenez votre nombril complètement contre la colonne vertébrale. Le périnée est remonté. Expirez, relâchez. Super. Inspire. Tu verrouilles, tu retiens. Expire, tu relâches. Ça fait deux. On le fait 10 fois de suite. Inspire. Tu emmènes. Tu relâches. Inspire. Attention, le menton, il est où? Replacez votre menton, oui, c'est mieux. Merci. Les épaules sont relâchées. Super, les deux pieds aussi. Inspire.
ramène le bassin. Vous sentez la différence? Relâchez voir votre bassin uniquement. Très bien. Vous voyez la différence entre un dos neutre et un dos serré? Avalez votre... Donc là, vous sentez, sans toucher, vous sentez que vous avez un creux dans votre colonne vertébrale. Hein, là-bas, c'est un creux naturel. Maintenant, on va inspirer, ravaler le nombril. Super. Vous savez, vous avez vu, votre dos se colle naturellement au sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Quand je relâche, la courbure de mon dos revient naturelle. Allez, on est à 4. Inspire. Relâche. Prends du temps. Le temps, il est pour vous, là. Hein? Maintenant, vous allez ramener... Vous restez dans cette position-là, vous m'écoutez simplement. Vous allez essayer de ramener vos talons vers votre pubis. Un petit peu vers vous, encore doucement. Voilà. Recalez vos mentons. Super. Là, on a une plus grande ouverture des hanches. Hein? Les hanches sont hyper importantes. Allez. Inspirez. Ravalez. Expirez, relâchez. J'aimerais vous entendre inspirer, expirer. Ok? Inspirez. Verrouillez. Relâchez. Inspirez. Oui. Relâchez. Inspirez. Verrouillez. Relâchez, soufflez, tendez les jambes, doucement s'il vous plaît, doucement, doucement. Allez, bougez le bassin à gauche, à droite, ne levez pas vos têtes, vous pouvez simplement m'écouter. Bassin, allez, vous bougez à droite, à gauche. Les mains sont tendues, donc bassin à droite, touche la main droite. Ouh, soufflez, détendez, 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 détendez. Relâchez-vous. Vous voyez, moi, quand j'étire complètement, ça me fait bailler. Ok. On va simplement se remettre en position vers l'avant, en position de fente avant. Doucement, vous remontez. Doucement, vous remontez. Salut, mon Julien. J'espère que tu vas bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Allez. Ici, on va se mettre en fente avant. Vous venez vers moi, tranquillement. Ici, j'aimerais que vous crochetiez votre pied au sol. D'accord? Et contrairement à tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on vient d'étirer à l'instant les psoas-iliaques. Ah, je vais changer de jambe pour que vous puissiez bien me voir. Ici, je crochette. Et ici, je vais dégager de façon à emmener mon genou devant ma pointe de pied, ce qu'on ne faisait pas tout à l'heure. Ici, pour étirer le plus loin possible mon psoas-iliaque. Prenez votre temps. Vous êtes à l'expire. La tête est relâchée. Soufflez. Vous êtes détendu. 10, 9. Le poids est vers l'avant. 8, 7, 6, 5. Relâchez votre dos. Relâchez vos épaules. 4, 3, 2. Avant de remonter, c'est la jambe avant qui vous pousse vers l'arrière. Repoussez en arrière doucement, les petits loups. Doucement, prenez votre temps. Et on change de côté. Les deux mains sont de part et d'autre de mon pied. Et je file vers l'avant. Prenez votre temps, prenez votre temps. Ce n'est pas une compétition. Prenez votre temps. Encore. Le talon est collé au sol. Allez vers l'avant. Soufflez. Encore. Encore. La tête est relâchée. Revenez vers l'arrière tranquillement. J'avais oublié de compter, pardon. Allez. On va étirer maintenant. On va se mettre en position de guépard. C'est un animal que j'aime beaucoup. On va crocheter. Vous allez regarder l'exercice en premier.
Mais je vous promets qu'on fera le même la semaine prochaine à la fin du confinement. Et on mettra une petite variante. Et j'aimerais que vous me donniez, vous verrez vos commentaires. Hein. Mais pas aujourd'hui. Regardez bien. Mon plateau pelvien est bien verrouillé. Mon fessier est verrouillé. Je ravale mon nombril. Ici, je suis bien verrouillé. Je vais filer vers l'avant. Redéposer. Je me positionne. Je file vers l'avant. Je pose. Je me positionne. Ici, je suis en position de l'enfant. Je verrouille le tout. Et je suis prêt à bondir. Mon regard est loin devant moi. Regardez avant. Regardez dans l'alignement où je suis, les épaules, le bassin, mes talons. Là, je suis en étirement complet. Ici, je suis en auto-grandissement. Je vais déposer, et ici, déposer mes talons à la hauteur de mes fesses ou mes fesses à la hauteur des talons. Je me déroule gentiment. Je crochète mes pieds et je file vers l'avant. Allez, encore une fois. Inspire. Pousse tes bras vers l'avant. Relève tes fesses. Crochète tes pieds. Pousse vers l'avant. Attention, les fesses ne sont pas trop hautes. Je suis dans mon alignement. Allez, vous faites, je vous regarde faire. Pose de l'enfant. Je déroule, je me grandis. Attention, plateau pelvien verrouillé. Posez les genoux au sol. Talon à la fesse, tête relâchée, bras tendus, étirés. Bondissez. Ok, regardez bien maintenant. On va le faire en une seule fois. Et j'ajouterai une variante la fois prochaine. Regardez bien. Ok, vous me regardez, mes pieds sont crochetés dans le sol. Ok, je vais faire l'exercice en une seule fois. Donc je vais bondir. Attention, ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est rester gainé, verrouillé, plateau pelvien verrouillé, fessier verrouillé, sangle abdominale verrouillée. Ici, je suis relâché. Je bondis. Vous voyez, mes fesses, mes épaules, mon bassin sont dans l'axe. Je pose. Maintenant, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ici. Ce qu'il ne faut pas faire. Ici. Ce qu'il faut faire. Tout ça est verrouillé. Ce qu'il faut faire. Tchoum! D'accord? Allez, à vous. À vous. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça encore. Allez, faites-moi ça. Super. Très bien. Ok. Alors, super. On peut s'arrêter là. On va faire le dernier exercice. Vous avez vu, hein, on a vraiment étiré la partie supérieure, la partie inférieure. On va faire un dernier étirement. Pareil, en ouverture de bassin. L'ouverture de bassin est hyper importante pour pouvoir ramener cette sangle abdominale à vous affiner. D'accord? Alors, regardez bien. Ici, je vais me mettre en 1, chien tête en bas. Ça, vous connaissez maintenant. Chien tête en bas, vous connaissez. D'accord? Ici, je vais emmener mon pied droit à la hauteur de mon bras gauche. Regardez bien. Ici. Et je vais me poser au sol. Simplement, et regardez devant moi. Je recommence. Regardez bien. Chien tête en bas. Mon pied droit va vers l'avant. S'il n'y va pas, c'est pas grave. S'il va qu'ici, c'est pas grave non plus. D'accord? Chien tête en bas. Mon pied droit à la hauteur de mon épaule gauche. Je pose mon pied au sol. Et ma jambe arrière, je la pose ici aussi au sol. Donc forcément, mon bassin, mes fesses ne touchent pas le sol. Et j'ouvre complètement ici ma ceinture scapulaire. Donc je regarde loin devant moi. Je tire sur mon fessier. Pour revenir à zéro, je vais relever le fessier, retendre ma jambe derrière.
et on fera une fois côté gauche, une fois côté droit. On fera ça et on va essayer de se tenir pendant une dizaine de secondes. On est prêt? Allez, tout le monde en place, les petits loups. Crochetez votre pied. Chien tête en bas. À l'inspire, chien tête en bas. Doucement, vous emmenez votre pied droit à la hauteur de votre main gauche. Posez votre genou droit au sol. La jambe arrière est tendue, donc on sent bien que le genou, il est posé au sol. Et maintenant, je regarde loin devant moi. Je sens l'étirement au niveau de mon fessier. Je reste bien droit. Hein. J'emmène pas la volonté, c'est pas d'emmener le fessier au sol. Hein. On le laisse à la distance qu'il a par rapport au sol, hein, tranquillement. Regardez devant vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attention, pour remonter, crochetez votre pied arrière. À la force des bras, vous poussez vos bras, vous tendez, vous montez les fesses, chien tête en bas. Et à nouveau, pied gauche vers l'avant. Jambe arrière au sol. Alors, si vous regardez maintenant devant vous, et maintenant je peux vous dire, cet exercice-là s'appelle la position du pigeon. Ça n'a rien à voir avec vous ni avec moi. Regardez bien devant vous. Soufflez bien. Soufflez longtemps. Soufflez longtemps, les petits loups. Soufflez. 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 Crochetez votre pied en arrière. Inspirez, crochetez. Levez, repoussez le sol avec les bras. Chien tête en bas et on y reste 10 secondes. 9, 8. Christelle, tu fais attention pour cet exercice-là. Ne réveille pas quelque chose qui ne va pas. La volonté, c'est d'emmener les talons au sol. Ramenez vos mains en arrière si vous le désirez. Emmenez. Le but, c'est de monter les fesses le plus haut possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, la tête à l'intérieur des épaules. 3, 2, 1, posez les genoux au sol. Posez les genoux au sol. Soufflez. Soufflez. Soufflez, prenez votre temps. Voilà. Eh bien, ce cours de stretching est maintenant fini. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des pouces, à me mettre des cœurs. Buvez un petit coup. Je vous donne rendez-vous donc pas demain, c'est jour de repos. Reposez-vous bien également. Continuez à boire beaucoup, 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 beaucoup. Je vous donne rendez-vous lundi pour une séance de renforcement musculaire. Mettez-moi vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce qui a été difficile pour vous, ce que vous aimeriez qu'on puisse travailler. D'accord? Et puis, je vous donne donc rendez-vous lundi midi, et lundi 17h, pardon, et puis lundi soir 20h. Merci beaucoup, merci infiniment. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Je vais lire vos commentaires. À bientôt! Merci beaucoup, merci pour tous ces cœurs, merci pour tous ces pouces. Merci, à lundi, je vous embrasse bien fort. Merci pour tout.